Bah écoutez, c'est parti. Petit Théotéka. Salut Moustique, ça va? J'ai pris des t-shirts chez Rayou aussi, j'en suis super content. Alors après, je sais que... Dans pas mal de streamers qui font des produits dérivés, ils ont un petit peu les mêmes... parfois les mêmes fournisseurs. Bah par exemple, je crois que Ultia et Ponce, c'est les mêmes fournisseurs. Donc c'est les mêmes textiles... c'est les mêmes usines, etc., etc. Ça se passe, on va dire que ça se passe un peu les adresses parmi les streamers. Donc je sais pas si c'est... Alors après, c'est toi qui choisis ton tissu, hein. Tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes tissus. T'as des cotons plus ou moins épais, etc., etc. Mais je crois que, ouais, on va dire que les fournisseurs se tournent pas mal, quoi, on va dire. Rayou, c'est le même que Mandatory? Bah... Tu vois, par exemple, je trouve que les t-shirts du The Event, pas toujours ouf. Les t-shirts du The Event en flocage, là, je les trouve pas zinzin, je trouve qu'ils se décollent très vite. Avis validé par le klaxon, bien sûr. Rayou, Zera, Ponce et Rayou, encore une fois, même production. Deux Rayou, les deux Rayou. Et salut Lorraniacus, ça va? Mais ouais, moi, je sais pas vous, mais mes t-shirts du The Event, ils se sont beaucoup effrités. C'est l'impression qui s'est grave effritée. Pourtant, je lave pas, tu vois, je lave pas à 90, hein, mais... Mon t-shirt de 2018 qui part un peu en lambeaux. Ouais, c'est ça, moi, les plus vieux, ils sont pas mal en lambeaux, quoi. Rayou, même prod que Rayou, c'est fort, quand même. Oh, le moustique! Je l'ai pas eu. Ah, je l'ai pas eu, je suis deg. Il est parti s'envoler très loin. Et paf, le moustique. Bon, les amis, petit récap de là où on en était. On était devant, du coup, bah, le temple, tout simplement. Parlons à Riju. Allons-y. On peut pas te parler, Riju. Ah non, c'est avec les flèches, c'est vrai. Faut tirer une flèche dedans. Est-ce que j'irais pas me faire un peu de bouffe, peut-être, avant? Est-ce que j'ai suffisamment de bouffe? Oh si, en vrai, je suis bien. Il faudrait juste que je me restaure quelques cœurs. Encore des moustiques, ouais, j'en ai trop marre. D'ailleurs, cette nuit, j'ai trop mal dormi encore une fois à cause des moustiques. Hein. Je me suis réveillée trois fois à cause des moustiques cette nuit. Ma best life. Trop bien. Trop heureuse. Non, ça va, je suis bien. Bon, bah écoutez, c'est parti. Normalement, il faut péter une flèche là-dedans, dans le cocon de Majin Buu. Non? Riju? Pas d'effort? Ah. Je crois qu'il faut les retourner avant de les mettre à la machine et de surfloquer. Ouais. Oui, il faut les retourner, mais quand bien même... Parce qu'en gros, tu les retournes pour éviter qu'ils frottent dans le tambour. Et que du coup, ça... Effectivement, ça raye le truc. Mais malgré tout, à force de lavage, tu sais, ça finit par se décoller, en fait, je trouve. C'est... Voilà. Vaut mieux les retourner, mais... Ça garantit pas non plus que ça disparaisse pas à un moment donné, quoi. Temple de la foudre, arrêt de chausseille. Alors, ah oui, c'est vrai que maintenant on a un nouvel artefact Sonao. Je vais pas faire ça. On a un nouvel artefact Sonao qui nous fait une soufflette, je crois. Soufflette. Est-ce que je l'ai? Tête de golem, convoyeur autoguidé, miroir, projecteur. On avait eu ça, non, les petites soufflettes? Peut-être qu'il y en a dans le coin. Ah, c'est ça, je crois. Ah non, ça c'est un coffre. La bouffonne. C'est totalement ça, ouais. Attendez, je monte un peu le son. Bilibibibibim. Un lance-flamme. Salut Kakashi. Parce que les t-shirts d'aujourd'hui sont pas chers et pourris. J'en ai qui ont plus de 20 ans, qui n'ont pas bougé. En flocage? En impression? Alors, je sais plus comment on appelle ça. T'as le flocage, t'as une autre méthode aussi. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais qu'il y en a une des deux qui est mieux que l'autre. Ah! J'ai pas de quoi mettre mon petit éventail Korogu. On va quand même pas jeter l'espadon ressort. Ce serait scandaleux. Oh, je vais devoir abandonner ma matraque cryosparidée. Je suis un peu abattue, ma petite matraque cryosparidée, là. J'avoue que je l'aimais beaucoup. Ma meilleure arme! Je la récupérerai après, en vrai, vous inquiétez pas.
aurait pu faire un petit tour chez Noya quand même pour agrandir l'inventaire en vrai. Yep, je la mets sûre, t'as 30 retournées. Toujours dans le doute et jamais de problème avec des t-shirts pas fous. Ah ouais? Moi, je... Généralement, mes machines de linge basique, je les fais à 40. J'ai pas de programme... En fait, j'ai pas de programme 30 qui soit pas des programmes courts. Salut Simon! Ça va bien? Pour les events, ils doivent les produire en énorme quantité, donc la qualité doit être moindre, peut-être. Puis surtout qu'en plus, les t-shirts du The Event, comme il y a une partie... En fait, en gros, quand t'achètes un t-shirt du The Event, imaginons, c'est 25 euros. Il va y avoir donc 15 euros qui vont aller dans les frais de production, d'envoi, etc., etc. Et le reste qui vont aller à l'association. Donc le but, c'est de pas non plus faire des coûts de production trop élevés pour pouvoir répartir le mieux... du coup dans les fonds de la récolte quoi en fait. Je suis un homme des cavernes, je mets toutes mes fringues ensemble et j'ai un programme mixte qui lave à 40. Ouais moi c'est un peu pareil hein. Moi il y a que mes draps, mes serviettes que je lave à 60 degrés. Je peux pas augmenter le temps. Non, bon, tu sais j'ai une machine très très standard quoi, hein. La Beko milieu de gamme, là... Oh, ça descend fort. Attendez. Ouais, ouais, c'est ça. Généralement, je me prends pas trop la tête. Je fais une machine de couleur claire, une machine de couleur foncée, les draps, et c'est tout. Et je sépare pas plus parce que ça fait too much. Je lave tout à 30 sauf les trucs du taf. Ah, parce que ça t'attache beaucoup à ton taf, Lio. Ouais, oh. Premier sous-sol. Ah donc tout va se jouer en sous-sol dans ce temple? Ah non, il y a des étages. Ouf, yes. Oh quoi? Il y a 8 étages en tout? Le sous-sol, le rez-de-chaussée est 6 étages. What the fuck? C'est un HLM le bordel. J'avoue que je suis un bourrin, je lave toutes les couleurs ensemble pour le coup et j'ai déjà eu des problèmes. Oh. Non, après, moi, ça va être couleur foncée, donc noir, gris, bleu, rouge, les trucs comme ça. Et après, je vais faire blanc et couleur très claire, genre les roses très pâles, les gris très pâles, les trucs comme ça. Mais après, non, jamais eu trop de problèmes de décoloration. Alors après, les décolorations, faut faire très attention avec les produits, enfin les vêtements un peu neufs surtout. Si vous achetez souvent les pantalons... Les pantalons un peu pas un peu bas de gamme, comme ils sont colorés des fois avec des produits pas foufou, ça peut arriver qu'ils déteignent, que le bleu déteigne en fait. Oh, mais je peux pas passer, je suis coincée. Les shorts blancs qui sont plus blancs, ah ça c'est terrible. Je veux pas se réveiller. L'avantage de s'habiller quasi qu'en foncé, ouais grave, c'est pareil hein. Je fais une machine de blanc pour trois machines de foncé, moi. Allez, petit fruit de feu. Ouf. Ah mais non, mais j'avais déjà une arme de feu, je suis bête. Ouh, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Est-ce qu'on aurait pas des trucs sous les tombes? En fait, on est clairement dans un tombeau, là. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, un espadon Gerudo. Eh ouais, mais... J'ai besoin de mon éventail, c'est ça qui est chiant. J'ai pas de place. Salut propre là-dessus. Je me demandais comment ça se passait sur les lives TOTK de Ponce. Ça veut dire que tu ne modères pas les mercredis pour pas te spoil ou comment? Généralement, c'est rare que je modère de toute manière le mercredi. Mais quand je suis là pour les TOTK, je regarde et si vraiment il fait un truc qui est du spoil pour moi, style voilà un temple important ou une partie un peu de quête principale que j'ai pas encore faite, je vais zapper. Je vais faire autre chose et tout. Mais en fait, comme on fait pas du tout l'aventure de la même manière, c'était un piège ça, non? Je crois bien, hein. J'ai envie de voir ce qu'il y avait en bas. Il y avait une chauve-souris. Le bruit qu'elle a fait.
Moi, j'ai fait l'erreur de mettre un t-shirt blanc avec une écriture rouge derrière, et du coup, mon t-shirt est rose. Oh non! Ah putain, si, une fois, la dernière fois que j'ai eu un problème de décoloration. Bon, là, je l'avais un peu cherché. Enfin, c'est pas tant de la décoloration, c'est que. Je m'étais acheté. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais acheté un t-shirt Spy Family de chez Uniqlo. Qui était jaune. Une sorte de jaune citron pastel très très clair. Et en fait, sans faire exprès, je l'ai lavé dans ma machine de foncer. Et du coup, maintenant, il est kaki. C'est pas mal, hein. C'est pas moche. On passera pas avec des flammes pareilles. C'est pas moche. Mais du coup, c'est plus jaune, quoi. Un peu le problème. C'est inventif. Non, mais c'est ça, c'est inventif. C'était pour être original, ouais. Je voulais pas ressembler à tout le monde. Bon, après, ça va. Elles sont pas tout le temps, les flammes. On peut courir. C'est du jaune kaki, ouais, c'est un peu de jaune kaki, ouais. Bien joué, Link. La voix c'est cool que tu sois pas obligé de rester, non. Bah, à moins qu'il y ait personne et que je sois la seule à être dispo, non. On n'est jamais obligé de modérer, hein. Des boulets enflammés, on aura tout vu. En tout cas, nous revoilà bloqués. Ah bah bravo. Bravo, les boulets enflammés. Est-ce qu'on peut utiliser un peu le rewind, peut-être? Yes! J'imagine qu'il n'y a rien par là. Du coup, on peut dire que tu es la seule au monde à avoir ce t-shirt. Exactement, je suis unique. Plus de boulets. Unique en mon genre. J'ai trop bien fait par contre de me faire une arme de feu. C'est trop pratique. Mourir, monsieur. Et petite torche, ouais. Ouh. Ouh, il fait sombre. Ça fait peur. Ce perso est doublé par After, ça me fume de rire. Tu trouves? Tu trouves que Riju, elle a la voix de After? Alors, il y a un passage par là. Mais attends, mais on est où, là? Mais on est où, en fait? On est toujours moins un, hein. Là, ça remonte. Ah. Ouais. Non, c'est ça que je voulais faire. Ouais, petit arc, ouais. Bon, il va y avoir... Ah, j'avais pas vu. J'allais dire, il va y avoir un bail avec le sable, là. J'avais pas vu. Ok! Par contre, j'ai quoi? J'ai pas l'arc de la dévotion là? Non, c'est un arc Gerudo? Pourquoi c'est autant zoomé? Jure, eux ils sont pas morts! Ils se sont pas pris la foudre, eux! Choqué! Côte de Gibedos! Je suis désolée, hein. Gibedo, ça me fait penser à Gibedos à chaque fois. Ok, on va remonter par là du coup. Parce que moi en fait à la base je suis arrivée de où? Je suis arrivée de là, hein, on est d'accord. Oh. Le puits de lumière, salle de l'espoir. Ouh, un petit gardien là. On va utiliser la matraque foudroyante. On va le foudroyer, littéralement. Oh oui, bah bien! Mais pourquoi? Pourquoi cet arc il zoome comme ça? C'est abusé. On va prendre l'arc de soldat. Voilà, c'est quand même mieux. Je savais pas que l'arc Gerudo il était aussi aussi zoomé. Il fait pas beaucoup de dégâts, hein. Il est costaud, hein. Mon burger a refroidi, je file. Ah bah super. Ça nous fait envie. En plus, je savais pas qu'ils zoomaient. Bah ouais, parce que l'arc de la dévotion, tu vois, c'est marqué. Arc de la dévotion... Ah non, je sais même pas si c'est marqué, en fait. Non, il n'y a pas le symbole, je crois. Ouh. Super, j'ai plus de bouclier. On va prendre... Oh, bouclier trop mignon. Non,
Non, on va prendre le bouclier, trop mignon. Ah, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes. On va prendre une lame boko. Allez. Gant de golem, colonel. Colonel golem, le fameux chanteur. Dis-moi, il y a un truc dans le sable là. Pourquoi tu tapes sur des sonaos? Parce que c'est eux qui me tapent, c'est eux qui ont commencé. C'est pas des sonaos, c'est des blibloupes. C'est pas pareil. Ah, grande lame de commandant, parfait. Voilà, là on va faire des dégâts. Ouais, donc là il y a un puits de lumière, il va y avoir un bail avec les puits de lumière. Parce que là pour l'instant on n'a pas encore eu le délire avec l'énigme. Ah, il y a le bail avec les miroirs. C'est vrai que ce sanctuaire fait très Majora's Mask. Ça rappelle beaucoup Majora's Mask. Ouais, oh. Comment différencier un sonao d'un blibloop? Après, les sonaos, c'est... Non. Mais non, les sonaos, c'est... C'est... C'est les espèces de... D'elfes bizarres ancêtres des Iliens, tu vois. Chante un son pour foire. Vraie question, j'ai un collègue qui mange de la soupe de courge avec la chantilly. Quoi? Il est américain, ton collègue, Auron? Parce que les Américains, ils aiment bien faire des mélanges courge sucrée, genre courge chamallow, genre. Link, je suis certaine que la fresque de la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple. La personne qui s'est adressée à nous devrait donc être quelque part ici. Bien vu. Non, elle est suisse. Ce collègue mérite la perpétuité. Ouais, non, chelou. Alors moi, dans la soupe, j'aime beaucoup mettre de la crème. Crème, tu sais, de la crème liquide, ou même un peu de lait, à la limite. Mais de la chantilly, bah, le truc, c'est que la chantilly, c'est sucré, quoi. Pas naïve, Ridjou. Du kiri. Ah ouais, le kiri. Trop bon, le kiri dans la soupe. La chantilly reste de la crème à la base. Ouais, mais c'est de la crème sucrée. Ouais, parce qu'en plus, la courge c'est déjà un légume qui est relativement sucré, en vrai. Ça fait très sucre. Mais c'était Sassy qui nous avait parlé de... putain, je sais pas comment ils appellent ça. Marshmallow and pumpkin pie. On va chercher comme ça. Voilà. Elle nous avait parlé de ça, parce que c'était pendant la période de Thanksgiving. Sassy parlait un petit peu des recettes, de ces recettes qu'il faisait en famille pour Thanksgiving. Et il parlait du coup de la tarte, du coup, à la courge. Avec... alors, c'est pas de la meringue. Alors, là, on voit un peu comme de la meringue, mais c'est pas vraiment de la meringue. C'est du marshmallow... flambé. Donc ça me fait penser un peu à ça en vrai. Hein. Et Sassy soutenait que c'était très bon. C'est pour ça que je t'ai demandé si elle était américaine, ta collègue, parce que ça fait un peu recette américaine de Thanksgiving, quoi. Moi, je suis sûre, tu dis chantilly, recette, sauce... ah, soupe de courge à Sassy, ça la choque pas, à mon avis. Mm. Tellement Madeleine de Proust, le kiri vache kiri dans la soupe, grave. Peut-être inspiré des Américains, pas impossible. Hein. Mm. Chantilly n'a pas besoin d'être sucrée, elle peut être tout autant salée. Ah ouais? Parce qu'après la chantilly, la crème chantilly de base, c'est pas sucré de base? Après oui, tu peux faire des chantilly de tout et n'importe quoi, au final c'est une émulsion quoi. Non? Est-ce que ton collègue c'est un Doberman? Petit pep. Bon, activons le terminal. Thank you.
Tu as vu ? Le sol s'est déplacé avant de revenir en place. Toi, ma descendante. Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple. Si tu charges les 4 accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer. Suis mes indications. Aucun doute. Cette fois-ci, c'est bien à moi que s'adresse cette voix. Alors, il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre. Le monstre de tout à l'heure s'est envolé vers le sommet du temple. Si le mécanisme est bien relié au sommet en question, comme nous l'a dit la voix, nous avons tout intérêt à l'activer. Ainsi, nous devrions retrouver notre monstre, et nous apprendrons peut-être davantage sur cette voie. Link, il faut que tu m'aides à atteindre le sommet. Pour commencer, suivons les instructions de la voix et cherchons les accumulateurs. Mais c'est vrai qu'à la base, on avait affronté un monstre la dernière fois qui s'était enfui. Ouais, typiquement, en stage, réaliser une chantilly salée avec du chorizo. Oui, en fait, la chantilly, c'est l'appareil, comme tu peux faire... Tu peux détourner un truc salé en truc sucré et inversement, etc. Mais après, la crème chantilly, ça reste sucré, quoi. Quand t'achètes une bonbonne de crème chantilly, c'est sucré, de base. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, je vais essayer de faire le sanctu de manière plutôt linéaire, je pense. Plutôt que d'essayer de chercher absolument les terminaux. Bonjour. Alors ouais, il va y avoir beaucoup de gardiens. Ah, je vais pas faire ça. Ouh, je devrais peut-être changer d'armure, non? Est-ce qu'on changerait pas d'armure? Ouais, ce serait pas déconnant. En vrai, je pense que je vais me rhabiller comme ça. Petit pantalon de soldat. Eh ouais, on sera mieux. On aura quand même un petit peu plus de défense. On va se manger un petit plat. Salut Emdal! Comment il va celui-ci là? Ah, les mobs électriques, qu'est-ce qu'on les aime! Par contre, mon arme elle fait bien bien mal aux gardiens. Oh! Alors peut-être. Eh ouais, ils aiment pas trop l'électricité eux. Hein. Excusez-moi. Je vous dis, je crois que je fais un petit peu d'allergie en ce moment. Ça va, j'ai pas eu mes cartes ce soir. Ils avaient pas reçu ce que je voulais. Putain. Et après, on parle de moi. Hein. Après, on parle de moi. Mais Emdal, t'es à combien? T'es à combien de coffrets ouverts là? Qu'est-ce que t'as ouvert déjà? Non, je suis pas addict, dit-il en se grattant les veines. Bon, on a un miroir. Je vois qu'on a quelque chose au sol qui doit certainement être un relais d'électricité, quelque chose comme ça. Donc allons voir de l'autre côté s'il n'y a pas un truc qui pourrait nous relier à ça. Non, je vois pas trop. J'arrête quand je veux d'abord. Je vois pas trop où est-ce que je pourrais faire refléter quoi que ce soit. Un ultra premium, un ETB, 2 packs Elector et un bundle de booster. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, le petit pack Elector, me fait un peu de l'œil, j'avoue. Peut-être le mois prochain. Là, je me suis dit que pour ce mois-ci, j'allais me calmer. J'ai fait mes petites dépenses ce mois-ci, j'ai acheté le classeur, j'ai acheté le TB. Ah, c'est là-bas! Alors là-bas, il y a un truc, mais il nous faut une source de lumière. J'imagine que la source de lumière, elle viendra d'en haut. Ah ouais, ça doit être ça, le bail. Donc, peut-être qu'il faut que je monte encore. Hein. D'autres packs opening, peut-être. Hein. Temple de la foudre, ouais, deuxième étage...
Ouais. Mais encore. Mais encore. Là-bas, il y a un truc. Ouais, peut-être que j'aille tout là-bas au fond. Eh, viens, Babil. Pas comme le vent, pile poil. Bonjour. Putain, l'attaque sautée, ça marche vachement bien. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit trou. Oh, merci beaucoup, Ren. Merci pour le 19e mois. Je passe réveiller le Prime qui dort, merci beaucoup. Un Prime qui dort, on rappelle, c'est un streamer mort. Donc merci beaucoup. Grâce à vous, The Pokémon Company doivent se frotter les mains, mais tellement. Oh, là, c'est indécent. Hein. C'est indécent le braquage qu'ils ont fait, là, ce mois-ci. Hein. La lumière. Waouh. Tiens, Babil m'a fait peur un peu. Et ouais, mais du coup, ça va être chiant parce que la lumière, elle va filtrer, mais pas tout le temps, en fait. Vu qu'il y a ces trucs qui rotate. Pas moyen de... Enfin, il y a moyen de les bloquer, je pense. Notamment avec le rewind, mais... Ouais, non, il n'y a pas de mécanisme, hein, sinon. Ok. Et du coup, est-ce que ça se reflète en face, là? Parce que là, il y a des planches de bois. Du coup, les planches de bois... Ouais, machin flamboyant. Quelque chose me dit qu'il faut brûler ça. On va utiliser ceci. Ah non, pas du tout. Mais là, il y a un truc, là, déjà. Parce que je me suis dit, ils m'ont donné une matraque flamboyante, c'est peut-être pour que je crame les planches, mais non. Ah! Ils retiennent vos portefeuilles dans le tâche de ouf! Merde, je suis tombée! Non, la loseuse. Ok. Donc là, on a ce miroir. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, on voit la lumière? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, elle est toujours cachée. Soit par un des disques, soit par l'autre. Ouais. Non mais, putain. On va se faire un peu de rewind, alors. Quand le 13e salaire va tomber, au secours. Le 13e quoi? Vous avez cru que j'avais un 13e mois, moi? Que nenni! Genre, on va attendre que là, la lumière, elle passe ici. Et on va faire une pause. Ah non! Pas ça que je voulais faire. Ah, mais non! Si j'utilise le rewind, je peux les calibrer ensemble! Ah non, pas du tout. Ah si! Let's go! 200 IQ! J'ai entendu parler de cette légende du 13e mois, ouais. Alors qu'ils sont bêtes, les gens, il n'y a que 12 mois dans l'année. Ils sont un peu bébêtes, non? Et du coup, est-ce que ça va arriver jusqu'au fond, là? Yeah! Trop bête! Après, t'es richissime, t'es streameuse, c'est vrai. Mais faut pas le dire, ça. Faut laisser croire que je suis pauvre, toujours. Ok. Ça a ouvert une petite trappe, du coup. Par contre... premier étage, on avait un terminal, hein. Je pense que j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. Au pire, on pourrait retourner. Ouais. Wow. Ok. Marrant, un peu, le design. Ouh. Rien à faire. Pas se glisser à travers. Ouais, marrant le design un peu de ce donjon quand même. Hein. Plutôt original, je trouve. Ah là là, comment on va faire alors que pourtant il y a des blocs de pierre? Oh non. Je vois pas comment on peut passer, Riju. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ah, les pointes se sont arrêtées. Je peux passer maintenant. Ok. On va pouvoir passer ici aussi. C'est un fond vert derrière elle. Elle vit dans une villa, bien sûr. Moi, j'ai ma prime de bénéfice de la boîte où je suis qui va tomber soon. On est sur un 13e boosté à balle. Putain, ça va se faire plaisir, là. Heureusement qu'elle a du flow, Riju. Oui, c'est vrai. Parce que bon, après...
Donc voilà quoi. Salle de l'assombrissement. Mais encore. Est-ce qu'on peut ouvrir la trappe de l'assombrissement? Non. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? De se battre ou quoi? Je crois bien, hein. Je rappelle que Babil existe, c'est vrai. Heureusement qu'il est là, Babil. Hein. Tiens, d'ailleurs, on a officiellement enlevé Yoon. Et c'est vrai que c'est vachement plus calme sans Yoon, vous trouvez pas? Je suis trop méchante. Mais il mérite. Quoi? Moi, on a enlevé Yoon, ouais. Moi, dans ma boîte, les primes des bénéfices de l'entreprise, c'est un 14e mois. Faut travailler fort. Ouais, non, moi, que plus qu'un. Alors, on a un miroir. Ouais. Mais encore. Parce que là, de toute manière, le puits de lumière, il est en dessous. Donc je trouve... Oh, j'avais pas vu. Pauvre Yoon, elle est toxique envers les Gorons. Non, mais juste envers Yoon. Les autres Gorons, j'en ai rien à faire. Ah, merde, j'aurais dû prendre le miroir. J'ai juste gardé Babil, moi, les autres prenaient trop de place après. Bah en fait, c'est ça. C'est que... En fait, la dernière fois, on avait... Je crois que c'est ça. La dernière fois, on avait fait le combat contre le monstre. Et on avait du coup les quatre avec nous. Riju en physique. Et j'avais trouvé que c'était trop. J'avais trouvé que c'était too much. Allez! Ah, mais il y avait un miroir là-dessous! Bon appétit, Esteban! Bisous, bisous! Il était plus là, j'ai même pas remarqué! Personne qui fait gaffe! J'ai pas vu ce que ça a ouvert! Ça a ouvert en haut? Ouais! Ah, mais est-ce que j'aurais pas dû garder le miroir du coup? Je suis peut-être un peu con, non? Je suis peut-être. Non! Je suis peut-être un peu bête. Attendez. Faut que j'arrive à le récupérer. On va aller sur la passerelle. Est-ce que j'arrive à le choper d'ici? Non! Trop chiant! Bah oui, mais je pensais pas qu'il y aurait un miroir en bas. Est-ce que ça passe là? J'arrive pas à voir où il est. Oh, je vais pas réussir à le remettre? Oh, attendez! Oh, attendez, j'ai une strat. Oh, la strat de Zinzin. Attendez. On va faire un piqué ici. Est-ce qu'on peut le planter là, le piqué? Ah, mais vas-y! Allez! Ouais. Comme ça, lui, je le colle sur le piqué. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir le récupérer après. D'ailleurs, mais hors sujet, ça avance, Berserk? Non. Et je me suis dit l'autre jour, putain, il faudrait que j'avance. Mais putain, j'ai pas pris le temps de lire ces derniers jours. Mais oui. En fait, je prends pas trop le temps tout court ces derniers jours. Mais il faut absolument que je continue. Je suis au tome 18 et depuis moult là, ça commence à faire. Alors maintenant... où est-ce qu'on peut faire refléter cette lumière? Parce que moi, à la base, je viens de là-bas. Je viens du sud. Ouais. Tu vois, c'est la lumière, je la mets là. Ouais. Parce que là, on est d'accord, il y a rien là, hein, dans le coin. Non, hein. Je vais embarquer un autre miroir avec moi. Ça va, je passe comme ça, là? Ouais. Ah, c'est un bouclier! J'avais pas vu que c'était un bouclier. La pierre gêne un peu, par contre. Hop, voilà. Oh, ah bah c'est bon. Pas besoin de miroir. Vos sages, vous êtes plutôt en physique ou en thémat? Oh, ouais, mais sages, moi, j'aime bien les avoir en physique, ouais. Comme mes jeux. Ah! Et du coup, ça, il faut pas la bouger, ça? On peut le bouger. Non?
Parce qu'à mon avis, il faut faire refléter de la lumière là-bas aussi, non? Y a pas un autre miroir avec lequel on peut jouer? Est-ce qu'on est d'accord, il faut mettre de la lumière là, non? Parce que là, ça, enfin, y a pas d'interaction. Il me faudra encore un autre miroir. Ah, on a quoi là-dedans? Rien. Je pense que c'était juste pour me donner des pierres pour bloquer ici. Parce que techniquement, je suis censée avoir tous les outils en main. Parce qu'après, si je fais... attends. Si je fais ça, j'ai pas un bouclier miroir, moi? Non. Nine. Comment je peux faire? What's the solution? Il y a un truc spécial à faire ici? Peut-être avec Riju? Riju, t'es où? De la foudre, viens à moi! Est-ce qu'il faut pas mettre un coup de foudre? Ah, mais si, c'est peut-être ça. Si, je suis bête. Je sais pas pourquoi j'étais focus sur la lumière. Alors qu'il y a aussi la foudre, en fait. Ça doit être l'un des accumulateurs. On dirait qu'il a bien absorbé ma foudre. Continuons, il en reste encore trois. Ok. Pourtant, qu'est-ce que tu nous illumines, Mae? Oh, les faillots, là! Faillots! Ok, ça c'est fait. Donc nous, on a eu celui qui était là. Mais ouais, j'en ai loupé un au premier étage. Est-ce que je ferais pas bien de redescendre au premier? Parce qu'après... Il y en a encore un au deuxième. Donc ça fait premier, deuxième. Et rez-de-chaussée. Vas-y, on va tenter au deuxième. Deuxième, donc un étage en dessous. Qu'est-ce qu'on a ici? À ce deuxième étage. C'est ça? Là, c'est toujours le deuxième étage? Non, là, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on a ici alors? T'as rien? Là, on est censé avoir un truc là. Clac, clac. On est sûr que c'est. Ouais. En face de moi et ensuite à droite? Genre là à droite là? Là à droite là. Genre là, il y a un truc là. Oui. Fraîche et pimpante, on le rappelle, bien sûr, bien sûr. Quel est le fuc, là? En fait, non. Je pense que ça, on y accède en passant... On y accède en passant par le sous-sol. Parce que là, il y a un chemin qui amène ici, et à mon avis, après, ça remonte, paf, au deuxième étage. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, on s'en occupera après. Je pense qu'on va continuer de monter, en vrai. Tout à l'heure, je m'étais dit, on va le faire de manière un peu linéaire. On va monter, monter, monter. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Queen Bee n'est pas venue réclamer son dû. Elle avait un dû, Queen Bee? Elle avait quoi, Queen Bee? Elle avait rien, non? Ah, mais je peux pas vraiment monter plus, en fait, non? Enfin, mis à part en escaladant. Parce que là, techniquement, j'ai plus de... J'ai plus d'escalier. Vous lui devez de l'argent ou un truc du genre? Oui, je les ai menacés. J'aurais dit, si vous me faites pas de compliments pendant le stream, je vous banne. Je peux pas passer, là? Allez. Allez, soyez sympa. Allez. Ah non, j'étais... Non. Je veux juste plus me faire ban de partout. Mais c'est ça!
C'était exactement ça la menace. Link, je te laisse aller voir là-haut. Ouais, bah t'inquiète, hein. Je vais farcir tout le boulot comme d'hab. Ça me fume comment il tremble quand il bande sa flèche. Il est en mode attention, je vais te tirer, ok? Je t'ai prévenu! Si tu bouges, je te bute! Alors là, on a une salle avec plein de petits réverbères là. Qui doivent certainement refléter la lumière qui passe par le puits de lumière là-haut. Ah, Super Pasta Bros! Merci beaucoup! Merci pour le noix à Bakou, c'est adorable! D'habitude, elle passe et les gens donnent des friandises. Ouais, aux dernières nouvelles, elle était en train de chuter sur le canapé. Mais là, du coup... Et là, qui voilà, Inspecteur Bakou, pilililili, pipium. Tiens, bébé. Attends, assis. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est trop belle, elle. Tu attends. Allez, chope. Cette violence. Qu'est-ce qu'elle est violente, cette chienne. C'est honteux. Honteux. Un chien agressif, là. Zip, 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 zip. Alors ça, j'ai l'impression que ça coulisse. On pourra faire coulisser, du coup, les mirrors. J'ai l'impression que je peux pas encore interagir avec ça. Quelque chose me dit que c'est pas pour maintenant. Je vais monter encore dans le doute, mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Ouais... Allez. Ok... Cinquième étage... Ok... Est-ce qu'on peut passer à travers le toit, en fait? Ah ah! Oh oh! Intéressant, tout ceci, messieurs, dames. Salle de la gloire! Ah, mais du coup, Riju n'est pas montée avec moi, c'est ce qu'elle disait. Ah, c'est nul! C'est nul! C'est nul! Parce que du coup, même si je mets le fruit de la foudre, ça marchera jamais. Donc en fait, il faut faire en sorte que Riju puisse me rejoindre. Putain, le script, quoi! Ça dégoûte! Bon bah, let's go. Oh, j'ai eu peur! Oh, j'ai eu peur de me pulvériser, là. Scripted, ça dégs. Bah écoutez, est-ce qu'on reviendrait pas au sous-sol? En vrai. On va redescendre au sous-sol. Tac, tac, tac. Il faudrait que j'aille là, en fait, je pense. Du coup... Attendez, descendons. Si je fais ça, ouais, je peux faire tout le tour. On va faire tout le tour. Salle de l'espoir. J'ai la gorge... La gorge pétait, hein. C'est terrible. Oh, je suis pas rentrée là-dedans. Ah non. Non. À toute voix du drame. Arc de golem surpuissant. Eh bien, on va enlever... un arc Gerudo. Non. Vous m'aurez pas. Salaud. Et là, on doit aller par là. Ouais, de l'autre côté. C'est une torche. Très bien. Meuf, elle se fait peur avec des torches. Ouais. C'est pas encore. En fait, le truc, c'est que je suis déjà passée par là.
Et du coup, là, si je passe à travers ici... Ouais, mais je sais pas où je suis. Oh, ça, c'est une salle où je suis pas déjà allée, à mon avis. Hein. Salut la compagnie. Comment ils vont? Ça va? Ça farte? Elle est où, Riju? Est-ce qu'elle est avec moi? Est-ce qu'elle a pu me suivre? Je sais pas, hein. Parce que je sais pas où est-ce qu'elle s'est arrêtée dans son script. Bon, vous m'avez gavé, vous. Ouh. Link! Link! Oh non, Link! Oh non, pas vous! Ça va aller! Paf! Paf! Il est solide, lui, hein. C'est le chef, c'est un gros costaud! Allez! Faut mourir, monsieur! Merci! Léon! C'est un peu la même vibe! Oh, Léon! Link! Les deux qui se font engueuler, tu sais! Prennent des dégâts! Oh, Link! Je croyais que t'étais le héros là! Mais elle est où? T'es où, Maros? Link! Elle est où? Est-ce qu'il faut que... Tu fais quoi, toi, là-haut, là? Descends, descends, je te fume! Ou descends que je te fume. Voilà, on se cachait en hauteur, là, hein? On se croyait safe. Elle a pas pu se TP. Ouais, je pense qu'elle a pas pu se TP. Et à mon avis... Ah, mais attendez! Je crois que j'ai fait nimp. Je crois que j'étais pas censée arriver ici, en fait. Parce que de l'autre côté, il y a un interrupteur, en fait. Si je repasse en dessous, au sous-sol, et que j'arrive ici, dans la salle de l'interrupteur... Putain, mais oui. Ah, mais non, je crois que c'est pas possible. Non, oui. Parce que... Attends, quoique... Si là, mon pointeur, il est là. Imaginons, je suis au rez-de-chaussée, je suis ici, tout pile. Ah, mais ouais. Je serais peut-être arrivée dans la salle de l'interrupteur. Quoique... Non. Non, je serais arrivée là. Non, je serais pas vraiment arrivée dans la salle. Je sais pas si c'est possible. Mais oui, c'est pour ça, je crois qu'en fait... Je suis pas censée arriver comme ça, non? Et là, ça mène où? Tu sors ou je sors? Temple de la foot, premier étage. Ouais, d'accord. Cool. Chelou un peu la salle. Chelou un peu cet endroit. C'est censé mener où? Bizarre. Il est bizarre ce donjon quand même, hein. Moi je dis il est bizarre. Alors après j'ai vu qu'il y avait des montgolfières, des trucs comme ça là. Est-ce qu'il y aurait pas un bail avec ce qu'il y a en hauteur? Ça flotte pas? Ah mais non. Comment ça fonctionne ça déjà? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça se bloque à la hauteur où je veux le bloquer en fait. C'est ça. Je me rappelle. Ouais, les gypdos, on s'en fout. Hein. Pas me faire de mal. On les laisse dans leur coin. Il y a Babil qui s'excite dessus. Vas-y Babil, bon courage. On te regarde. On te soutient. Soutine Babil. Voilà, peut-être un peu haut. Babil MVP, bien sûr. Il va les avoir, hein, vous inquiétez pas. Free Babil. Free Babil. Ça va, c'est un piaf libre, hein, vous croyez quoi? En plus, c'est juste un avatar, c'est même pas le vrai. Je pense que là, si je me rapproche un peu, je vais peut-être pouvoir passer à travers. Je serai pas obligée de tout monter, voilà. Et Yoon les battrait plus vite. Yoon, il serait en train de se demander mais où sont les monstres? Ah! Je viens de comprendre. Ok, on redescend. Non.
On va mettre le petit miroir. Si j'arrive à le choper. J'arrive pas à le choper. Non, le jeu, vous moquez de moi. C'est pas cool, ça. Petit miroir, on le met là. Ah ouais. Attendez. Bleh. Mensonge. Ah. Ah. Ah oui, mais d'accord. Je prenais pas en compte le fait que... Ah, quoique si, ça passe, en fait. Je pensais que la lumière ne filtrerait pas à travers, mais si. Bon, vous me soulevez-vous, hein. Vous êtes un peu relou, hein. Attendez. On va grimper. Hop. C'est le donjon de la foudre. Ouais. J'avais trouvé sa mécanique assez unique. Il est un peu différent. Oui, complètement. C'est clair. Oh, attendez. Si je mets ça là... Non, je voulais pas les coller. J'arrivais à capter la lumière. Attends, ramène-toi. Ah, mais j'ai bientôt plus de batterie. Ah, fais chier, je suis trop lente. Je suis trop lente. Ça va tomber. Allez, hein. Bon, vous savez quoi? Du coup, on va se débarrasser des gypdos en attendant. Ce qui me stresse. Mais en fait, ils vont spawn à l'infini, c'est ça le problème. Petite lame électrique. C'est ma petite lame Raichu. On dirait trop la queue de Raichu. Elle est trop marrante. Ah mais attends, mais Yoon! Mais what the fuck, il est encore là? Je l'avais pas retiré la dernière fois? Je suis persuadée de l'avoir retiré. Let's go! Mais non, pas let's go! Je suis vraiment persuadée de l'avoir retiré. Ah! Ouh! Merde! Attendez, on va coller la lampe. Ah, oupsie! Hop, voilà. On met la lampe bien sur l'extrémité. Ça, on le tape. On monte au moins ici. Là, je retape ça. Tac. Ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Genre là. Voilà. Comme ça. On se met là. Paf! Ouais. Le goat. Y'a que toi qu'aime Yuna, vraiment. Et là, il faudrait que je le monte encore, lui. Hop, 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 hop. Ok. Là, c'est pas mal. Ça manquerait un peu de hauteur encore, mais c'est pas mal. Je me disais aussi que j'avais pas ce souvenir. T'avais dit une énième fois que tu voulais l'enlever, par contre. On finira par le faire, hein. Ma relation toxique avec Yoon. Allez! Et j'espère qu'on va revoir Riju du coup. Mais elle est où? Mais Riju, t'es où? Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que Riju n'a pas pu se TP, j'ai l'impression. Parce que là, ça m'a ouvert quoi? Ça m'a ouvert ça, ouais. Oh non, mais faut que j'aille chercher Riju! Mais comment je fais? Parce que le problème, c'est que je sais pas comment on entre ici de manière legit. Et tu te boycottes. Mais non, mais en fait, c'est que je suis passée... Je suis passée par les sous-sols, quoi. Putain, comment je fais? Là, on n'a pas un moyen d'ouvrir ça, là. Oh, quel enfer! Comment je fais pour sortir d'ici? Faut que je me TP en plus. Là, je suis coincée. Je suis softlock en fait, je pense. 100% softlock. Non, en vrai... Ah putain, c'est retombé! Le seum. J'allais passer par le plafond. On va passer par le plafond. Ah ouais, mais c'est chiant, parce que du coup, il faut que j'aille chercher Riju, que je revienne avec Riju. Je suis honnête, pas tant que ça, mais j'aime prendre le parti des opprimés, c'est mon côté Jean Moulin. Bordel, bintard. Mon côté Jean Moulin, il m'a dit. Mon côté JM. Oh non, mais je suis où là? Oh no. Oh, attendez.
Peut-être que du coup, on pourra avoir le toit. Peut-être des trucs sur le toit, en vrai. J'étais curieuse tout à l'heure de voir le toit du temple. Bon, c'est un peu haut, hein. J'hésitais avec Cheke Farah. Ah. L'abus. L'abus du man. Est-ce que je peux m'infiltrer? Jure, je peux pas m'infiltrer. Ça dégoûte. Ça sent le pipe aux flûtes. Alors, tu sais que Psycho, ça me fait trop rire parce que les émotes Betty TV... Oh putain, il fait chaud. Les émotes Betty TV sur OBS, je les vois pas. Du coup, je vois que les écritures, tu vois, des émotes. Et du coup, ça sent le pipe aux flûtes, ça fait pas mal rire en vrai. Ça sent le pipe aux flûtes, cette histoire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre, quelques minerais. Oula, il se passe un truc. Il y a eu un bruit inquiétant. Miroir! J'ai cru entendre un bruit inquiétant, mais pas du tout. Avec quoi je pourrais péter ça, moi? Grande masse d'hydrock rare. Il y aura une extension ou quoi, j'imagine. Ouais, faut que je vois pour OBS. Effectivement, c'est bizarre, mais je vois pas les émotes Better TV. Hippoflute. Du coup, elle ressemble à quoi, l'émote? Parce que si je veux la voir, faut que j'aille sur Twitch. C'est un petit pipo qui danse. Ça sent pipoflute, quoi. Littéralement, pipoflute. Bon bah je suis bonne pour me TP quoi. non. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai voulu un peu griller les étapes, mais d'un côté, pour ma défense, c'était pas si évident que ça quoi. C'est contre nature hein. Il est contre nature hein, ce temple, je trouve. Alors, Riju! Bah alors, Mareuse, tu fais quoi? Je pense qu'on peut y aller, du coup, maintenant. Mais du coup, c'était à quel étage? Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah! Mais il y a une brique qui a enlevé. Oh, mais non, la Midge! Qui fête ses 3 ans! Merci beaucoup, Pidgey! Comment y va, la bitch, là? Rabbing? Oh, waouh! Oui, parce que du coup, c'est quoi que j'ai activé tout à l'heure? C'est celui du deuxième étage, on est d'accord. Donc là, on est au quatrième, on est peut-être un peu haut. Là, c'est quoi? C'est toujours le quatrième? Yes. Redescendons au deuxième. Là, on est où, là? Ah, on est au premier! Riju, t'es là, tu suis? Ça va, il a commandé du Pokémon 151, Jap! Oh! Ça va, t'as réussi à te démerder pour pas trop cher? Riju? C'est bon, Riju suit. Du coup, là, je suis au deuxième, mais je vois pas comment je peux y aller avec Riju. C'est ça qui est chiant. Parce que là, je passe par le troisième. Et après, on va pas plus haut. Et le truc, c'est que si je vais plus haut, elle peut pas me suivre. De là-haut, elle peut pas me suivre. Oh, mais attends, il y a une fente de lumière ici. J'avais pas capté. C'est moi? C'est moi qui ai fait ça? Non, pas du tout. Salle du jour. Ah, attendez, peut-être qu'il faut faire ça d'abord. Ouais. Oh, ça j'aime bien les petits jeux de miroir. Ça rappelle vraiment Majora's Mask, le temple du désert, là. Pour Better TTV, oui, tu vas dans paramètres, stream flux, extension du chat Twitch. Dans OBS? Paramètres. Stream, flux, extension du chat Twitch. Ah, je peux pas le faire pendant le stream. Mais merci, BG. Mais non, mais BG,
Gigi, de toute façon, il connaît OBS par cœur. Le mec, c'est lui qui a fait OBS, en fait. Va chercher. Salut Xoxwan, ça va? Oh. Aha! Attendez. On y est presque. Encore un tout petit peu. Oh. Ah non, c'est bon. Ça va, Xoxwan. Ouais, on... Ah, et est-ce que ça m'a pas ouvert un escalier? Ouais, mais quand bien même, même si j'ai un escalier, Riju, elle pourra pas le prendre. Parce qu'en gros, je pense... En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on était au deuxième, j'étais là à un moment donné. J'étais ici. Voilà, dans cette espèce de petit sas d'escalier. Et on se rendait compte que c'était bizarre et que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des escaliers ou des passages qui vont finir par s'ouvrir pour pouvoir y accéder. Attendez. C'est quoi que ça m'a ouvert? C'est là-haut? Là-haut sur la montagne? OBS qui veut dire outil pour... de BG pour stream. C'est exactement ça. Bisous Lio. Bonne balade. Outil pour BG de stream. Paf. Waouh. Non, je... Honnêtement, je dois avouer que... Oula. Ouah, non, non, je voulais pas tomber. Ah. Ok. Ça va aller. Tout va bien. Je dois avouer que le donjon est intéressant et pas si mal construit. Que tu vois, chez les Gorons, par exemple, il était cool. Je l'ai bien aimé, en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu mitigés vis-à-vis du temple des Gorons. Moi, je l'ai bien aimé parce que j'aimais bien le côté avec les petits wagons et tout. C'était un peu rigolo. Mais parfois un peu décousu. Bon, là aussi, hein, c'est pas toujours limpide, mais... Après tout, si c'était trop limpide, je me serais plaint que c'était trop facile, quoi. Mais là, du coup, on est où? Au premier. Ça m'a ouvert ça. Ouais. Bon, on va mettre le contact ici. Le contact, la meuf passionnée d'automobile. On va mettre le contact. Paf. Plus que deux, Link. Ne traînons pas. Ouais, ouais. Ok. Ça m'avance pas trop sur celui du deuxième étage, mais très bien. J'ai que de me plaindre. Et celui-là, là, on l'avait activé ou pas? Petit faisceau lumineux. Est-ce qu'on l'avait fait? Je suis pas sûre. Non, je crois pas. Parce que... Qu'est-ce qui pourrait refléter ici, en fait? Beau. Parce que là, là-haut, je pense que j'ai plus vraiment d'interaction. Avec tous ces miroirs. En fait, la trappe, je pense que in fine, ce sera ce qui va s'ouvrir. Donc, pas besoin de se poser trop de questions là-dessus. Parce que là, du coup, il me reste toujours le central du rez-de-chaussée et celui du deuxième, en fait. Ouais, mais celui du deuxième, je sais comment y aller, mais je sais pas comment y aller avec Riju, quoi. Ça qui est relou. On va remonter. Alors, si je passe par là, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans? Salle du jour. On a des miroirs, ouais, c'est tout. Au pensée printemps. Tu sais que... Notre joke, je sais même plus d'où ça vient, le faux pensée printemps. Je sais même plus ce que c'était l'énigme de base du pensée printemps. Parce que c'était un indice perfouras. D'un jeu, mais... En fait, je me demande si j'ai pas d'autres combinaisons de miroirs à faire. Pour pouvoir refléter en bas.
Parce que là, en face, lui, là, lui, il est orienté vers le bas. Donc je me demande si j'ai pas d'autres reflets, d'autres... Ouais, d'autres reflets à faire. Oh, Kenji, mais non! Merci beaucoup, Kenji, pour l'année de sub. Merci, c'est adorable. Merci pour tous ces lives qui nous font du bien. Bah, merci à toi, Kenji, c'est adorable. Merci beaucoup. Parce que là, en gros, je commence avec lui là-bas au fond. Parce que j'ai pas moyen de commencer avec lui, non? Ou... Ah, si! J'ai moyen de commencer avec lui. Ah, alors peut-être! Ça va peut-être nous ouvrir un escalier, ça. Et voir... Ouais, c'est ça. Ça vise celui qui est en bas. Par contre, c'est chiant parce que du coup, on voit pas très bien. On voit pas bien où on vise. Je vois que je n'arrive pas trop tard. Non, ça va. C'est par rapport à Macron? Comment ça, à Macron? La ref de Pensée Printemps. Ref Macron. Petite ref Macron. Hop, le boutang. Et du coup? Est-ce que ça va nous amener au deuxième étage? Salle de l'offrande? Oui, c'est ça. Oh, let's go! On a vraiment fait les choses de manière totalement décousue. Ma spécialité après tout. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Paf. Tiens d'ailleurs, ça pète pas automatiquement les nids d'Ibdos. Très bien. Plus qu'un accumulateur à charger. Plus qu'un accumulateur à charger. On va quand même péter le nid d'Ibdos là, pas de pitié hein. Pas de pitié pour les Gypdos. Allez, ramène-toi. Ramène-toi, Riju. Paf. Adieu. Bon, les Gypdos, ça dégage, on s'en fout. On a d'autres chats à fouetter. Bon, du coup, le dernier terminal, c'est celui du rez-de-chaussée. De souvenir, il a dit qu'il fallait penser printemps pour l'économie. Ah ouais? Non, je crois pas que c'était ça. Je crois que c'était vraiment dans un jeu. Vous vouliez me donner... En fait, vous vouliez me faire un backseat sous forme d'indice à la Perforas, sous forme d'énigme. Et quelqu'un avait dit faut penser printemps, ou c'est en rapport au printemps ou un truc comme ça. Fan de Macron ici, visiblement. Fan club de Macron. Et du coup, lui... Comment on y rentre? C'est pas grâce à ça? Si, c'est grâce à ça? Oh! Non. Non, non, ok, ok, c'est le fail. Niveau d'énergie, 75%, ok. Oh! Non. C'était si obvious que ça depuis le début. Barrez-vous les pots! C'est quoi ces pots là, hyper solides? Les pots qui font 150 tonnes. Oh, mais vraiment? C'était aussi obvious? Ok. Ramène-toi, Riju. Ouais, mais c'est ça le problème avec moi. C'est que mon intelligence est tellement... Et voilà. Tellement exceptionnelle que bah, les énigmes trop simples, ça me paraît trop simple pour que ce soit ça, quoi, en fait. Mon cerveau n'arrive pas à les concevoir. Le mécanisme de la pièce centrale. En route, Link. Envie de me tuer. Bisous, Céleston, bonne soirée. Avec tes 145 de QI aussi. Bah ouais, c'est... Tu sais, c'est pas simple tous les jours d'avoir 145 de QI, hein. Le 10 janvier 2017 à Clermont-Ferrand, Emmanuel Macron a souhaité à plus de 2500 personnes de penser printemps. Ah ouais? Alors est-ce que c'était ça la ref? Je sais pas. Bon, activons ça. Société qui est pas adaptée à mon intelligence, c'est ça hein? Regarde Link, on dirait que le mécanisme vient de s'activer.
Tiens, il y a quelque chose qui brille là-bas. À mon avis, on t'avait donné cet indice en pensant que c'est très... En vrai, c'est pas impossible, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. La coïncidence aurait été folle, sinon. Bon, eh bien... Je vais me stuffer. Je vais manger. Voilà. On fait quoi? On pète les petits nids d'abord ou le gros nid? Je crois que les petits nids ça marchera pas parce qu'ils sont pas brillants. On va commencer par lui. Adieu! Adieu! Oh, tellement horrible. Relais. 2. Ok! Elle ne peut pas nous échapper. Il faut la coincer. Alors, est-ce que je peux péter les tours champignons là? Je pense pas. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça fasse de dégâts. Alors, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si elle avait des sensibilités particulières, style au feu ou des trucs comme ça. Dans le dos, je vais prendre ma lame électrique pour l'instant. Et après, au pire, on changera si besoin. Fallait pas la taper avec Riju justement. Surtout qu'elle a pas du tout le même pattern que la dernière fois. Tu veux qu'on essaie la méthode qu'on utilise contre les Gibdo? Je sais pas si ça a bien marché. Ouais, c'est ça, parce que sinon je lui fais pas de dégâts. Donc oui, il faut utiliser la foudre. Que la foudre vienne à moi! La foudre vienne à moi! Arrête de courir! Tu triches! Paf! C'est quand même mieux, hein. Allez, allez, allez. Attention. Ouais, kiffe pas trop l'électricité quand même. Hein. Oh non, ma lame électrique qui va péter. Non. Mais après, je crois que si je la tape avec une... Juste une arme un peu forte... J'ai des armes qui sont vraiment très costauds. Vas-y, ma grande lame de commandant. Paf! Voilà, ça fait pas du bien ma cocotte. En avant. Ok. Link, tu peux te relever? Link. Allons-y. Allez. Elle est où? Bah, on m'a fait une feinte. Elle est trop chiante, ta dodge, en vrai. Approche-toi prudemment. En fait, j'ai l'impression qu'avec ma lame électrique, je faisais beaucoup plus de dégâts que là, avec ma lame Linel, qui est à 64. Je trouve que malheureusement, le combat contre cette bestiole est un peu compliqué. Elle est un peu trop géante, en fait. Peut-être je peux me contenter de la fight au cac, hein. En vrai. Flèche de foudre. Dans la tronche. Ah, bon, là, c'est trop tard. Tiens, où est Jou? Là. Que la foudre vienne à moi! Que la foudre vienne à moi! Ouais, t'inquiète. Oh. Ça passe en P2. Oh non! Oh, ça me dégoûte! Je suis un peu limite tripophobe personnellement. Elle invoque des Gibdo. Attention à ne pas. Ça me dégoûte de fou du coup. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la tripophobie, c'est avoir un peu une phobie ou un dégoût des trous. Et j'avoue que ça me dégoûte. On peut peut-être se servir de cette lumière. Comme dans Dark Souls 3, plus c'est gros, plus faut taper le sif. C'est vrai. Il faut souvent taper le sif dans DS3 en vrai. Adieu. Adieu.
Bon, après, c'est chance que les vidéos sont toujours là. J'ai toujours qui backseat de ouf. Barrez-vous. Juste barrez-vous en fait. Riju, t'es où? Ah, ils aiment pas trop la lumière, hein? Eh ouais, vous êtes des êtres des ténèbres. Allez, ramenez-vous. Pif. Ok. Un petit last. Riju, je t'atteigne. Ok. Allez, venez vous battre. Oh non, la lumière. On dirait moi quand je sors à la lumière du jour. Non, le soleil, ma peau brûle. This is the skin of a killer, Bella. J'ai plus d'arc. Je suis en dash d'arc en fait depuis tout à l'heure. Tout va bien. Eh ouais, mais l'arc Gerudo. Eh ouais, mais trop chiant l'arc Gerudo. Bon. Toi là, tu m'as gonflé, oh. Bien Riju. Tu vois pas très bien à cause de cette lumière là. Pouf. Ouais, je me demande si je vais pas plutôt la spam de flèche de foudre. Il fera peut-être plus de dégâts en vrai. Ouh, les petites tornades là. Pas fun. Ouais, après si j'apprenais à viser, ce serait peut-être mieux. Héhé. Tu bois du sang ton maillot ou pas? Bon, c'est rien, c'est de la grenadine, c'est tout. Ok. Hé. Oh non, où est-ce qu'elle s'est barrée? C'est relou! Bam! Putain, elle atterrit toujours à l'autre bout de la map! Abusé, oh! Allez, on spam de flèches. J'avoue que je vise pas trop la tête. Je peux pas la viser à travers les tornades. Ah! Link, tu peux te relever? Ouais, je peux me relever, c'est bon, ouais. Oh, relou! Avec ces tornades là! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va, ça va. J'arrive pas à la spammer beaucoup de dégâts en fait. Hein. Ok, en mode vénère. Oh, Captain Fred! Merci beaucoup, Captain Fred, pour le 3e mois! Merci infiniment! Comment tu vas? Putain, la lightbox, la plus grosse du jeu, mais j'arrive à la louper, quoi. Elle veut pas aller dans la lumière, hein. Elle est maligne! J'ai dit je prends l'arc pour la pour pas la jouer au cac. Qu'est-ce que je fais? Je joue au cac. Ah non, pas le fruit gel. Putain. Oh, y a Yoon qui s'est fait balayer sur le côté, je l'ai vu. Link, tu peux te relever? Ouais, je peux me relever, ouais. Allez. On y retourne, Riju. Boum. Oh là. Non. Là, c'est finito, hein. Finito pippo. Enfin, on va essayer. Si elle arrête de me spammer cette putain d'attaque! Ah, quand même! Thank you.
Merci pour GG. Et salut Zizou, ça va bien? J'en ai profité pour boire, mais je m'étouffe. Ouais. C'est stylé en vrai, cette vue là. Oh, petite photo. Eh, petite photo stylée en vrai. Attends, bouge pas, Riju, reste naturel. BG en vrai. Pas très droit en vrai. Attendez. On va recommencer. Moi, j'ai pas pris un très bon angle, ouais. C'est Riju qui est pas trop droite en fait. Ce sera très bien comme ça. Riju, ma descendante, toi qui as hérité de mon sang. Oh, je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante. La fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter. Voici le récit de la guerre du Sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. L'instant lore. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidée à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de six guerriers dont je faisais partie, Rauru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Rauru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Jure, Sarutobi? Quelques temps plus tard, je reçus la visite de l'un des six sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre, offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant,
Je suis ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que tout la chute du roi des mains. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi des mains verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. T'imagines si en fait elle avait eu aucune descendance au niveau. À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo, mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante, je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée aux sages du temps. Mets tes forces au service du chevalier Lin et combats à ses côtés. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. Combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Car à toi, roi démon, moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Maintenant, donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Fou, ils ont tous eu la même idée. Nous sommes partis. Tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens, on nous attend à la cité. Merci beaucoup, Iltia, pour le raid. Bienvenue, les Ratus. Comment ça va? J'espère que vous n'êtes pas arrivé à un moment spoil pour vous. Je sais pas trop où est-ce que vous en êtes dans l'aventure de TOTK. Est-ce que vous avez déjà fait les Gerudo? Mais nous, nous venons de terminer, du coup, le temple. Le temple des Gerudo. Comment ça va, tout le monde? Bienvenue. Salut, Weirden, Stiola, Sagaren, Tiwaz. Coucou aussi à Bobo Coli, à Nikos, à Petit Univers. Je vous relaisse avec la cinématique. Oui, oh! Ah, trop bien! On va revenir dans la ville! Très stylé le temple derrière en plus. Trop bien!